Hey, coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo réaction bande annonce. Aujourd'hui on va découvrir le film The Conjuring, les dossiers Warren. Alors oui, c'est un ancien film, il est sorti en 2013, mais visiblement vous êtes fan des films d'horreur. Moi ça dépend lesquels, je sélectionne. Celui-là je ne sais pas du coup tout de quoi ça parle, je ne sais pas la description du film, je ne sais rien du tout. On m'en avait parlé un petit peu vite fait dans les commentaires de certaines réactions bande annonce. Je me suis dit pourquoi pas le découvrir et pourquoi pas le découvrir avec vous. Sans plus attendre, on y va de suite. C'est parti! Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connus simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Ah, c'est une véritable histoire. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. Il se passe des choses terribles dans ma maison. Le 1er novembre 71, je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que Lorraine sent, voit, touche, est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Lorraine ! Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute sale. Elle est debout devant le lit de ma maman. Tu veux le voir? Oui. Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir, debout derrière toi. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Ouais, je suis assez pétochard, mais c'est vrai que il doit y avoir des moments assez intenses dans le film, parce que déjà que la bande-annonce, ça a l'air de donner. Je me sens pas capable de regarder ce genre de film, je me sens pas du tout à l'aise. Oui, c'est un film d'horreur qui a l'air de bien surprendre. Il a l'air d'être beaucoup apprécié, puisqu'il a l'air de rien. Il a été vu 3 766 vues. C'est énorme pour une bande-annonce. En plus, je serais capable de faire des cauchemars de ça. Et quand je serai dans le noir, chez moi, je serai dans la psychose, je serai en train de psychoter si, admettons, il n'y a pas quelque chose qui se passe dans l'ombre ou quoi. Non, c'est pas un film qu'il va falloir que je regarde, moi. Mais en fait, j'ai balancé la bande-annonce avec vous sans pour autant connaître l'histoire. J'ai vu qu'apparemment, c'était sur des faits réels, donc il y a de quoi avoir un petit peu beaucoup la pétoche. Ouais, même sur la jaquette, il y a marqué « inspiré de faits réels ». Non, franchement, ça rassure pas du tout, ce truc. Hein. Non, c'est pas possible. Ah ouais, non, je serais... Ah ouais, non. Si je regarde ce genre de film, je vais me mettre à psychoter, mais un truc de dingue. Je sais pas comment vous faites, hein. Honnêtement, pour les friands des films d'horreur, je sais pas du tout comment vous faites, mais non, moi, c'est pas possible. Il peut être pas mal, il peut être un bon film, ça peut faire très peur, mais non, merci, sans moi. Bon, ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si la vidéo vous a plu et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à laisser le petit pouce vers le haut, un petit commentaire si tu souhaites discuter, papoter, partager ton avis. N'hésite pas, c'est avec grand plaisir que je lis tous les messages. J'essaie de répondre un maximum, mais parfois c'est difficile. Mais en tout cas, je lis tous vos messages. On se laisse, on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye!